aujourd'hui je fais une vidéo, c'est pour réagir à Philippe Martinez de la CGT. En fait, il dit actuellement en France, donc ils vont faire passer une réforme, le gouvernement, pour faire passer l'âge de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Et Philippe Martinez a dit que qu'après le travail, c'est le cimetière qui nous attend. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'âge, l'espérance de vie en bonne santé d'un Français actuellement est de 65 ans. Donc cela voudrait dire qu'il nous resterait qu'un an à vivre en bonne santé après, après la retraite, disons, la date de retraite. Attendez, je passe, je cours, je vais éviter de me faire écraser avant mes 64 ans, ce serait pas mal. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire en fait que vous ne devez pas attendre la retraite pour profiter de la vie. Attention au mot profiter, parce que quand on dit profiter, c'est souvent c'est vu comme faire la fête. Soit tu profites à l'excès dans un sens, ou soit la vie profite de toi, bah t'es un peu dans la merde. Et moi ce que je veux dire, c'est pas de profiter de la vie. Ça fait un peu marchandise, tu vois. Je veux vous dire de vivre votre vie heureux et passionné. Alors, je reviens sur mes propos. Donc, Philippe Martinez, si tu vois cette vidéo, l'ami, est-ce que tu acceptes un interview avec moi pour en parler et pour faire porter ta voix de façon plus large? Alors, je précise que ce serait en toute neutralité. Et voilà, avec plaisir, si je peux donner la parole à tous ceux qui la souhaitent, allez-y, hein. Vous m'écrivez en commentaire. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, chers amis, si vous aimez ou pas Philippe Martinez? Alors attention, si vous n'aimez pas, soyez respectueux. De toute façon, j'ai mis des barrages. Vous ne pouvez pas insulter les gens sur cette chaîne, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je vous demande vraiment le respect. Il y a beaucoup de gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est une chose, mais respectons-les. Et voilà, la vie, si vous souhaitez vivre heureux et passionné, c'est le conseil en or que je vous donne. Je reviens sur les retraites. Alors, vous voyez, là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 33 ans. J'ai peut-être le look de syndicaliste aujourd'hui. Je me suis pas coiffé. Attendez. Voilà, je suis coiffé en mode révolutionnaire. Il y a une semaine, au moment où je fais cette vidéo, bien évidemment, j'allais sur le plateau de Touche pas à mon poste pour interpeller Cyril Hanouna, d'ailleurs qui était vraiment très sympathique, qui m'a donné la parole. Et voilà, merci, merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour toi Cyril et pour toute ton équipe et pour tous ceux qui étaient là ou pas d'ailleurs. Voilà donc, chers amis. Donc dans la vie, c'est bien de dire ce que nous ne voulons pas, mais c'est surtout bien de dire ce que nous voulons. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous profitiez tout de suite de votre vie. C'est aujourd'hui. Si vous voulez dire « je t'aime » à quelqu'un, dites-le. Si c'est vraiment votre conviction. Hein. Si vous voulez demander à votre patron une augmentation, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas l'année prochaine. Si vous voulez vous former, faites-le aujourd'hui. Si vous voulez faire du sport, faites-le aujourd'hui. Alors mes propos vont un peu au-delà du vouloir. Il faut faire, chers amis. Vouloir, c'est bien. Faire, c'est mieux. Réagissez. Mettez-moi un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Voilà, chers amis. Donc, pour terminer, comme ce petit jardin-là, la retraite, ça se prépare. Mais pas que la retraite, la vie en fait. Chaque seconde se prépare. Et chaque seconde, ne perdez pas trop de temps à préparer ce qui va arriver. Faites, passez à l'action, immédiatement. Vous voyez, je vous laissais faire cette vidéo, réagir au propos de Philippe Martinez qui disait après le travail, le cimetière. Oui, c'est un beau punchline. Bravo Philippe. Et... j'adore beaucoup les leaders, quelle que soit leur position politique, philosophique. J'adore vraiment les gens qui donnent leur opinion et qui le font
dans le calme la plus posée, disons. Voilà, alors j'espère que c'est le terme le plus correct que j'ai trouvé. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et vivez votre vie. N'attendez pas d'aller au cimetière. Merci Philippe.